la bataille va faire rage ce week-end. Bienvenue dans les vertes collines d'Autriche. Ce site a accueilli son premier Grand Prix de F1 en 1970. Après cela, le Red Bull Ring a connu son premier Grand Prix en 2014. Et c'est toujours aussi spectaculaire. Le Red Bull Ring est une bête affamée parmi les circuits. Les pilotes grimpent fort jusqu'au virage 3, puis ils descendent rapidement entre virage large et ligne droite. Il y a beaucoup d'opportunités de dépassement ici, notamment grâce aux trois zones DRS. Nous en sommes à peu près à la moitié de la saison et on se demande ce que les écuries ont encore en réserve. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ne bougez pas, car ça ne fait que commencer. Merci de nous avoir rejoints pour ces qualifications et que la lutte pour la pole commence. La tension grimpe davantage aujourd'hui et l'impatience devient palpable dans le paddock. Les essais libres sont maintenant terminés. Les pilotes vont devoir connaître ce circuit dans les moindres détails s'ils veulent atteindre une position de force sur la grille. 20 voitures prennent le départ avec comme objectif la pole position. Que la compétition commence!
Radio check. Radio check, ok. Green light. Okay, mate, nice job today. Another radio check. Radio check, okay. Radio check, okay.
We'll get some comments when you're back in the garage and plugged in. Okay, radio check. Loud and clear.
Bienvenue dans cette journée de course. Les vérifications de dernière minute sont en cours, juste avant le départ. Alpine a fait un excellent travail lors des qualifications et a donné une bonne longueur d'avance à ses pilotes pour cette course. Ce n'est pas la meilleure position sur la grille pour Ferrari, mais les qualifications ne font pas tout. Je suis curieux de voir s'ils arriveront à inverser la tendance pour dominer cette course. Les nuages sont menaçants aujourd'hui. Les écuries vont peut-être devoir faire face à la pluie durant la course. C'est maintenant que tout va se jouer. Préparez-vous à une nouvelle course intense pour le Grand Prix d'Autriche.